Bonjour à tous, bienvenue sur les faits de Vandal Earth 2. Donc le père de Nanat a été kidnappé et on doit récupérer, on doit aller chercher le baron, l'ancien baron du fief pour faire entamer des négociations. C'est parti. Mort du héros ou de Nicolas. D'accord. Il y a un gorgon parmi les monstres. C'est encore une nerf, alors faites attention. Ouais, ils sont bien avantagés, ils sont en hauteur. Que lui est dans elle que si tu as de l'expérience je m'en fous. Je vais le déplacer. Thank you.
batterie explorative. Oh, c'est vraiment
masque sur lui. On va voir sur lui, non? Je pense que oui. Chute des pas. Qui va là? Lord Cosmo. J'ai entendu du croyez, vous voilà.
tout à fait ignoré, aucun doute, vous êtes des fiers jeunes hommes. Lord Cosimo, comment vous sentez-vous? Mieux, je suis autonome, une fois de plus. Mais rentrons et mettez-moi au courant de ce qui vous amène. Leur souffle de gros se conduit en tirant. J'avais espéré que ces fonctions de gouverneur, la chaise s'agirait. Mauvais calcul, remettez-vous en prison à moi, je m'en occupe. Il est tard, mais demain j'en parlerai à ces chevaliers. Merci, quel soulagement. Votre Altesse, quel plaisir de vous revoir. Alors, vous saviez. Je suis vieux, mais je ne vous oublierai jamais. Mes enfants, voici Nicolas Altinatra, fils du prince Julius exilé. Si la justice avait suivi son cours, il aurait été roi de Natra. Aujourd'hui, je ne suis qu'un vagabond sans foyer. J'ai appris que votre père était mort à Vernante. J'ai honte d'être toujours en vie dans ce corps frêle et vieux. On ne dit plus mot. Père a toujours été reconnaissant de votre loyauté envers lui. Je suis venu vous parler d'une chose en particulier. Si je vous demandais une audience privée. Votre Altesse, il n'y a que ses enfants ici. Si l'affaire est smooth et ne convient pas aux enfants, je n'en suis pas. Mon père faisait grand cas de votre intégrité. Écoutez-moi plutôt. Donc vous dirigerez les armées de Vernant vers la frontière et je rassemblerai les troupes du pays pour prendre la cité royale, mais c'est de la haute trahison. Trahison, punir la vie de pouvoir. Si les leaders étaient justes, comme était la Garde, d'accord. Mais je ne peux tolérer la souffrance du peuple sous Agathe à ce poison. Lord Cosimo, donnez-moi votre soutien. Votre Altesse. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas accepter. Lord Cosimo. Avez-vous jamais réfléchi au rôle d'un noble? Il ne produit ni graines ni objets, il ne fournit aucun service. En est-il pour autant un simple parasite qui mange le peuple?
le devoir des nobles est de protéger le peuple qui ne sait que travailler. Seul celui qui place les intérêts du peuple avant les siens est noble. Votre père a annoncé au trône pour ne plus faire de mal au peuple. Vous me proposez une querelle de nobles dont le peuple souffrira. Mais Agatha conspire avec sa patrie. Elle veut faire assimiler Zorakeo au royaume de Natra. Alors vous allez laisser Vernon s'envahir Natra. Le nom du pays importe peu. L'esprit de Natra perdurera. Je comprends votre argument. Et je me demande si cette personne quoi, vous allez remettre cela? Ça dépend si c'est absolument nécessaire. J'attends votre réponse. Sachez que si je ne peux compter sur vous, je serai forcé d'opter pour d'autres solutions moins enviables. Anat, excuse-moi, mais je dois retourner au village avant toi. Excuse-moi. Cette nuit-là, c'est de la folie faire de ça une lutte. Qui va là. Vous êtes le devin de gros. Comment être? Je viens pour les documents de Nicolas. Quoi, comment êtes-vous, quoi? Ah! Va pour. Comme je l'avais prévu. Le matin suivant. Je ne trouve le Lord Cosimo nulle part. Lisa n'aurait pas quitté sans nous. As-tu bien compris ce dont parlaient Nicolas et Cosimo? Oui, dans un truc. Ils veulent envahir le pays. C'est le genre de truc auquel on ne peut rien. Tu crois? Bon, parler ne nous mène à rien. Repartons au village. Des enquêtes.
Dev. Je ressors. La nouvelle baguette. On a remis en. Ah! Mais autant on prend une ligne. Taverne. Nous autres, on n'avait rien à faire ici. La vie, ouais. Elle arrête pas de nous dire ça. Donc, normalement, autrefois, les pirons étaient importants. Ouais. C'est son fils. Voilà. Kentia était un lieu de légende. On dit que la roi Sacras a caché un peu ses trésors près du mont Kutao. Mais personne ne les a jamais trouvés. Je crois que c'est une quête annexe. Docteur Bonheur a sorti, d'accord. Près de 1000 ans, on passe du piano en rêve. Ok. Papa, Donate. Ça va, je suis si content de te revoir. Ils m'ont trouvé le fugitif et m'ont laissé partir.
je ne m'attendais pas à les trouver dans le couvent de père. Tu leur as dit où se cacher. Tu l'as vendu pour sauver ta propre peau. Nana, que dis-tu à ton père? Oublie tout ça, ce n'est pas nos affaires. Mais papa, le destin du pays en jeu. Le destin des nobles, pas du pays. C'est le sang et la sueur de pauvres paysans comme nous qui ont construit ce pays. On ne se nourrit pas de la volonté des caprices d'une poignée de nobles. Tout ce qui t'importe, c'est manger et dormir. Le peuple, le peuple a des rêves, des idéaux. Il voit plus grand. Je t'en supplie, arrête. Mon sang. Arrête, Nana. Tu vas te faire du mal. Que fait-on, Nana? On libère Nicolas du manoir. Ils tueront les intrus. J'y vais tout seul. Ah, on n'est pas assez bon pour toi. Bien sûr qu'il y a aussi. Toi aussi? Bon, on ne peut pas passer par la grande porte. On peut se filer par les écoutes du manoir. Bon, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour l'invasion du manoir.